Alors, voilà, celle que vous voyez, c'est pour le mouvement des femmes du Québec. Et ceux que vous avez entendus un petit peu plus tôt, c'était notamment des gens du mouvement laïque québécois. Victoire sur toute la ligne pour le gouvernement du Québec. Alors, la Cour d'appel qui vient de rendre sa décision, la loi 21 sur la laïcité de l'État, et non seulement confirmée, mais elle devra également s'appliquer dans toutes les commissions scolaires anglophones du Québec. Benoît Pelletier est toujours avec nous, ancien ministre et professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa. On parlait de la Cour suprême parce qu'on avait l'impression aujourd'hui que c'était une étape avant que cette décision se rende devant la Cour suprême. Qui pourrait demander à la Cour suprême d'examiner aujourd'hui le jugement de la Cour d'appel? Bien, en fait, tous ceux qui s'opposent à la loi 21, mm-hmm. toutes les parties qui se sont fait entendre devant la Cour d'appel pour, en fin de compte, amener cette Cour à déclarer la loi invalide ou du moins à en déclarer certaines dispositions invalides. Vous savez, là, la Cour suprême du Canada pourrait très bien refuser la permission d'en appeler. Oui. Étant donné la nature du sujet, ce serait extrêmement étonnant. Je pense que la Cour suprême va vouloir se saisir de cette décision. Décision qui, je l'avoue, est étonnante. Est étonnante en raison de deux facteurs. D'abord, c'est étonnant parce que le jugement du juge Blanchard, même si je n'étais pas d'accord avec ses conclusions, oui. était un jugement très élaboré, très étoffé. Vous savez que dans ce jugement-là, il y a 1143 paragraphes. C'est un jugement très fouillé. Mm-hmm. Alors, donc, évidemment, ce n'est pas facile de renverser un tel jugement en appel. Et puis, deuxièmement, la liberté de religion elle-même est interprétée jusqu'à présent très largement par la Cour suprême du Canada elle-même. C'est-à-dire que la Cour suprême dit que la liberté de religion, ça inclut le droit, évidemment, de professer sa religion et même d'assurer la propagation de sa religion, en quelque sorte. Alors, la Cour suprême ayant interprété très largement la liberté de religion déjà dans le passé, je croyais que toutes les chances étaient que la Cour d'appel vienne confirmer le jugement du juge Blanchard de la Cour supérieure, mais là, on voit que ce n'est pas le cas. Et le Québec vient de remporter une victoire extrêmement importante aujourd'hui. Et vous savez que c'est un dossier qui va marquer, surtout lorsque la Cour suprême se sera prononcée, va marquer l'évolution du fédéralisme canadien. Et dans le fond, la question, c'est de savoir jusqu'où le Québec peut-il faire des choix collectifs par son Assemblée nationale sans se soumettre finalement aux tribunaux ou sans que ces lois soient assujetties à un examen de la part des tribunaux sur la question de la validité. Dans quelle mesure le Québec peut-il faire des choix collectifs qui sont fondés sur son identité propre au sein du fédéralisme canadien? Mmh. Est-ce que vous croyez que ça donne un peu de carburant, ça, au Parti québécois et à Paul-Saint-Pierre Plamondon? Non, je crois que le contraire lui aurait donné du carburant davantage. Là, vous avez, dans le fond, un jugement d'une cour dont les juges sont nommés par le gouvernement du Canada, oui. Qui donne raison au gouvernement du Québec, et plusieurs concluront que ça démontre la possibilité pour le Québec d'exprimer son identité propre au sein d'une fédération. Oui. Oui. Je comprends. Benoît Pelletier, très, très éclairant de vous entendre, ancien ministre, je rappelle, professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa. Je vous laisse aller lire le jugement. Je parlais de 200 pages, mais j'ai compris que c'est plutôt un jugement de 300 pages. Alors, bonne lecture et on se reparle à un autre moment. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci.